Bonjour et bienvenue sur le circuit de Montlhéry pour l'une des confrontations les plus attendues de l'année à Sport Auto, celle de la Porsche 911 Carrera S face à ses rivales. Alors, dans le panier de crabe, on a un spectre assez large du grand tourisme, depuis la BMW i8 jusqu'à la Lexus RCF. Julien, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces autos ? Avec plaisir, Laurent. Déjà, on commence par la principale intéressée, la 911. Pourquoi encore une énième 911 ? Parce qu'elle se la joue écolo, celle-ci. Elle n'a qu'un petit 3 litres biturbo. La suralimentation, le drame sur une simple Carrera S qui fait 420 chevaux. Donc, on va voir ce qu'elle donne par rapport à tout le monde. L'i8 en premier, la tout technologique, qui est une hybride de 362 chevaux à coque carbone. C'est un ovni. C'est la GT du futur qui est déjà en vente. Pour commencer, ensuite, la petite AMG GT. Pourquoi petite ? Parce que celle-ci fait 476 chevaux et pas 510 comme la GTS. C'est déjà bien assez. Et pour le reste, Sylvain, qu'est-ce que tu nous proposes ? Je vous propose ça. C'est anglais. C'est la Jaguar F-Type R coupée 4 roues motrices. Cherchez pas les autres du lot. C'est elle la plus brillante. 550 chevaux, V8 compresseur. Croyez-moi, ça déménage. C'est pas mal aussi ça, bon à part en termes de design où c'est quand même assez particulier, Lexus RCF, V8 mais cette fois atmosphérique. Et en termes de V8 atmosphérique, on vous a amené la petite Vantage N430 qui, comme son nom l'indique, fait 430 chevaux. Donc la voiture, elle date déjà de quelques années, mais on va s'apercevoir qu'elle a quand même de bons restes. Est-ce qu'elle en a suffisamment pour battre la 911 ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Parmi les points forts de cette Lexus RCF, il y a son V8 atmosphérique et de 477 chevaux. On aime ses montées en régie, même s'il faut bien l'admettre, il pousse nettement moins fort que les blocs Porsche ou Mercedes. Bravo aussi pour le grip de cette Lexus, bien aidé par un différentiel vectoriel qu'on peut paramétrer directement depuis la console centrale. En revanche, dommage que les réglages de suspension ne rendent pas la RCF plus incisif. Et puis, pour parler franchement, la Lexus, elle a quand même pas un physique facile. En tout cas, moins que l'Aston Martin N430, cette série spéciale de la Vantage, je reconnais au premier coup d'œil. Alors, entre la calandre, les rétroviseurs, les arches de toit peint, je suis d'accord, on a vu plus discret, mais l'anglaise, elle est toujours aussi sexy. La puissance du V8 4 litres 7, elle, ne bouge pas et notre modèle reçoit la transmission optionnelle Sport Shift 2. On va être franc, c'est son principal point noir. Heureusement, l'échappement crépite à tout va pour faire oublier que cette boîte a, au bas mot, une décennie de retard. Alors, l'Aston a pour elle son tempérament et un timbre de voix qui file instantanément le sourire. Et dans la Jag, on ne sourit plus, on se marre. Vous cherchiez une auto pour déclencher toutes les alarmes du quartier, bah la voilà, on vous l'a trouvée. C'est elle, la F-Type R et ses 550 chevaux. C'est la plus puissante de notre comparatif et elle le fait sentir. Alors notre modèle d'essai a 4 roues motrices, mais ne comptez pas trop dessus pour vous sortir des situations difficiles parce que très sincèrement, la Jaguar elle continue d'avoir un tempérament de propulsion. Elle est lourde, elle chahute beaucoup sur circuit, mais avec la Mercedes, c'est la plus bad boy de ce comparatif. Alors Julien, on arrive au terme de ce comparatif. On a eu la chance de profiter de ces belles autos pendant une semaine. Si je te posais la question cruciale, avec quelle clé repars-tu ? Très difficile, mais
Pour une fois, ça va changer, ça va être la Mercedes AMG GT. Pourquoi ? Parce que la 911, elle est devant en dynamisme, elle enrhume tout le monde. Quand elle est super bien équipée, roue arrière directrice, barre anti-roulis active, etc. Sinon, elle est en dessous, clairement. Mais il y a l'émotion, le caractère mécanique qui chute avec ces histoires de biturbo. Et celle-ci répond à tous les critères, elle a une super efficacité, elle est joueuse, elle pétarade dans tous les sens, donc j'adore. Et toi ? Alors, je suis d'accord avec toi, moi j'étais assez bluffé par la polyvalence de la 911. Il n'empêche qu'en termes de caractère mécanique, je trouve que Mercedes a fait plus fort avec la transition au turbo sur la AMG GT. Donc, le cœur l'emporte, je repars avec la Mercedes. Alors moi, messieurs, vos arguments, je les entends, je suis d'accord avec vous. La AMG GT, c'est un vrai coup de cœur, même dans cette version non S. Il manque de rien, en tout cas pas de sonorité. Mais pour moi, celle qui remporte ce comparatif, c'est la 911. Je suis d'accord avec vous. Mécaniquement, on y perd. Sauf que tu l'as dit, Julien, il y a tout le reste. Direction, châssis, frein, boîte. Ça sait absolument tout faire pour tous les jours. C'est la caisse idéale. Je préfère partir avec celle-là et je vous laisse votre Mercedes.